Il y a 15 milliards d'années, en une fraction de seconde, le Grand Bang originel consacre le triomphe de la matière sur l'antimatière. L'univers vient d'être créé, et avec lui les lois de la physique. Environ 10 milliards d'années plus tard, dans un coin perdu de l'univers, notre Soleil s'illumine et entraîne dans sa course 9 planètes, nées de l'agglomération de poussière cosmique à la dérive. La troisième planète, en partant du Soleil, tourne à la distance idéale de 150 millions de kilomètres. Toujours en fusion, elle est promise à un destin exceptionnel, recevoir la molécule de la vie. Durant les 500 premiers millions d'années de son existence, la Terre se transforme. Sa surface se refroidit, se solidifie. Les océans et une atmosphère se forment. C'était il y a 4 milliards d'années. Une équipe d'Ushuaïa Nature s'est posée à l'extrême est de la Sibérie, là où la Terre ressemble probablement à ce qu'elle était à ses origines, un monde rare, étrange, perdu, presque improbable. L'endroit où le regard se porte sur l'horizon, c'est autant de cônes quasi parfaits. Le plus beau d'entre eux, cette silhouette splendide, le Kilucheskoï, l'orgueil du Kamchatka. C'est sans aucun doute le plus haut volcan de toute l'Asie et un des plus hauts volcans du monde, 4850 mètres d'ailleurs. Le manque d'oxygène se fait cruellement sentir, saupoudré de scories et de cendres, un des plus beaux paysages de la planète. Bonsoir, Ushuaïa Nature est au Kamchatka, ce que l'on peut considérer être l'extrême-orient russe, ou en tout cas le Far East sibérien, cette péninsule gigantesque, 1250 km de haut sur 450 km de large, le Kamchatka est sans doute l'endroit au monde où il y a la plus grande densité de volcans actifs, tout simplement parce qu'on est sur une zone de subduction, une plaque de l'écorce terrestre en chevauche une autre. Mais au-delà d'être la vitrine du volcanisme, le Kamchatka vaut aussi parce que c'est un des endroits les plus reculés de la planète, ce que l'on peut considérer comme un monde perdu. Les Russes en avaient interdit l'accès à tous les étrangers et c'est vraiment tout récemment que les portes de cette péninsule s'ouvrent petit à petit. Autant vous dire que tout ce que nous allons visiter ensemble aura valeur de document. Voilà en tout cas pour le décor dans ce monde fait de feu et de glace. Ushuaïa Nature va se rendre au cœur de l'un des mondes les plus secrets et les plus isolés de notre planète. En raison de la guerre froide et de sa position stratégique face à l'Alaska, le Kamchatka, base secrète des sous-marins nucléaires soviétiques, est resté hermétiquement fermé pendant plus de 50 ans. Et c'est un réel privilège que de pouvoir y débarquer aujourd'hui. C'est mener de front deux expéditions aux antipodes l'une de l'autre et alternativement nous passerons de l'une à l'autre. La première évidemment ici au Kamchatka à partir de notre camp de base que l'on a établi au pied d'un autre volcan un peu plus petit que celui-là mais au moins tout aussi beau, le volcan de Kronoski qui surplombe le lac du même nom à partir duquel nous irons
rayonner en autonomie complète avec des hélicoptères. Il faut dire que c'est le seul moyen de visiter le Kamtchatka. Et puis, parallèlement, nous irons dans le sillage du Marion Dufresne, qui est le bateau des terres australes françaises, accompagné des scientifiques qui vont faire l'inventaire de toute la faune et de la flore au fin fond de l'océan Indien, notamment l'île Crozet, l'île Amsterdam et principalement les Kerguelen dans les 50e hurlants. Les Kerguelen qui sont ces petites possessions françaises et qui ont en commun avec le Kamtchatka d'être parmi les plus beaux échantillons terrestres de la nature souveraine. La vie là-bas comme ici a pu et peut encore s'y épanouir sans être en quoi que ce soit contrarié par la présence des hommes. Voilà, d'un côté le Kamtchatka, de l'autre les terres australes françaises. Je l'espère pour eux, le plus beau des voyages au cœur d'une grande nature. Yves Pacalet est à la fois naturaliste, philosophe, romancier et auteur d'un livre encyclopédique sur les origines de la vie. Il a couru les terres et les océans, mais survoler et explorer le Kamtchatka demeurait un rêve d'enfant. Avec Nicolas Hulot et son équipe, il commence un étonnant voyage à travers les quelques 180 volcans de cette péninsule. Ils vont tenter humblement de dénouer les grandes énigmes que pose l'apparition puis l'épanouissement de la vie sur la Terre, mais dont nous n'avons peut-être pas le seul apanage dans l'univers. Un joli vol ? Super, oui, oui, oui. On a fait un tour devant ce volcan qui était une merveille d'architecture minérale. On était subjugué par cette perfection de forme. Et puis alors, ces nuages de fumée qui s'élèvent au sommet sont la preuve que là, dans le ventre de la Terre, parfois ça remue, ça bouillonne, ça sort, ça se prépare à dégager un jour ou l'autre à faire une explosion magnifique. Rares sont sur notre globe les endroits conservant encore de nos jours ce qu'a dû être le berceau de la vie. Situés aux antipodes l'un de l'autre, le Kamtchatka et les terres australes et antarctiques françaises sont sur ce point exemplaires. Une autre équipe d'Ushuaïa Nature a fait le long voyage sur le seul bateau qui mène à ces îles inhospitalières, perdues en plein océan Indien. Au cours de l'été austral, le navire Marion Dufresne quitte l'île de la Réunion et s'engage dans les 40e rugissants et les 50e hurlants pour aller ravitailler un groupe d'îles isolées de plusieurs milliers de kilomètres de tout continent, les terres subantarctiques françaises, notamment Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. Jusqu'à Crozet sur ce segment, sur cette ligne droite là, qui va nous prendre environ 4 jours et demi. Ensuite de Crozet à Kerguelen, on aura 2 jours et demi de transit. On rejoindra vraisemblablement directement Amsterdam. Voilà donc le voyage typique, une rotation typique sur les îles australes françaises. Une soixantaine de techniciens, biologistes, océanographes, archéologues et un artiste peintre ont embarqué pour mener des recherches sur ces lointains rochers et assurer la maintenance des stations scientifiques. Pendant le voyage, certains d'entre eux travaillent sur la communication entre les animaux. Leurs recherches en acoustique ont déjà permis la mise au point d'un système sonore qui effraie les oiseaux sur les aéroports. Première rencontre, le navire longe l'île des cochons. Une immense tache de 30 hectares apparaît. C'est la plus grande colonie de manchots royaux au monde, 1 million d'individus.
Quand vient l'heure de couver, les manchots font face à la pente pour retenir leur œuf, montrant ainsi leur dos noir ou leur ventre blanc au rythme des creuses et des bosses du terrain. Autant d'oiseaux qui se nourrissent de poissons prélèvent en mer chaque année l'équivalent de 2 fois le tonnage des pêches françaises. Quatre heures plus tard, le Marion Dufresne est en place à Crozet. C'est une tradition, la première rotation de l'hélicoptère est pour le courrier. Les habitants de l'île n'auront que 48 heures d'escale pour y répondre. Ici, le facteur ne passe pas tous les jours. Sur ce caillou de 150 km², une vingtaine de personnes cohabitent pendant 12 mois. Un éco-physiologiste, un vétérinaire, un biologiste des insectes, une ornithologue, un électronicien biologiste, un électrotechnicien, un mécanicien, un chef dieseliste, un mécanicien, un frigoriste, un géophysicien, un physiologiste, un gérant postal, un chef radiotéléphone, un chef de base responsable aux yeux de l'administration, un géophysicien, un ornithologue, un médecin, un boulanger et un cuisinier. Pour ces exilés volontaires, l'arrivée du bateau constitue un événement. À peine débarqués, les nombreux sacs postaux sont traités en urgence. En effet, ils contiennent non seulement le courrier des hivernants, mais également les centaines de lettres de collectionneurs. Les philatélistes du monde entier sont amateurs des timbres gravés à l'effigie de ces îles perdues, et cet engouement international rapporte près de 10 millions de francs chaque année aux terres australes et antarctiques françaises. Nourriture, combustible, bungalow, l'administration des terres australes et l'Institut polaire installent souvent de véritables camps pour les scientifiques qui ont besoin de travailler en dehors de la base. Chaque été austral, profitant de la clémence du temps, les chercheurs de toutes disciplines étudient la faune extraordinaire et peu farouche de ce sanctuaire unique au monde. Terre de rêve pour les artistes, l'éloignement et l'inaccessibilité des côtes garantissent la préservation de ce paradis animalier. ~15 000 km au nord-est des Kerguelen, les hommes d'Ushuaïa Nature volent en direction de la caldeira d'Ouzon. Ils espèrent trouver là-bas une des sources probablement à l'origine des premières formes vivantes. En chemin, ils survolent une vallée née des convulsions du système volcanique le plus actif du Kamchatka. Ici, le 1er janvier 1996, des explosions cataclysmiques ont fissuré la croûte terrestre, anéanti la vie dans les lacs et les rivières et décapité le cône du volcan Karimski. Comme tous les volcans de la ceinture de feu, il est né de la tectonique des plaques. On a tendance à oublier que l'ensemble de l'humanité est à la dérive, plus ou moins rapide sur ces plaques qui glissent sur le magma fluide, ces fameuses plaques qui soient s'écartent, soit se frotte, soit se chevauche, comme ici, qui crée ce qu'on appelle un phénomène de subduction. La plaque pacifique s'enfonce, en donnant d'ailleurs naissance aux plus grandes fosses océaniques de la Terre, frotte en s'enfonçant, et le frottement échauffe la Terre, qui donne lieu à ces remontées de magma très peu fluides. Donc elle a tendance à se bloquer dans la cheminée volcanique. Et quand les gaz s'accumulent en dessous, d'un seul coup, le volcan explose tout simplement et donne lieu à un cataclysme. Il y a des volcans ici qui ont perdu sur une seule explosion volcanique plus de 250 mètres de leur cône. Une partie de la montagne tout simplement disparaît sous forme de poussière, et monte jusqu'à parfois 30 000 mètres dans la stratosphère.
elle donne lieu à des changements climatiques qui peuvent durer plusieurs années et qui ont des influences sur la totalité de la surface terrestre. Au-dessus du volcan Karimski, l'un des 180 volcans que compte la péninsule du Kamtchatka, plus d'un dixième d'entre eux sont encore actifs. Et à ce stade, Yves Pascalet, nous devons rappeler la base des choses. Alors, au début, les volcans étaient extrêmement nombreux. La Terre était boursouflée de volcans. Il y avait des milliers, des dizaines de milliers. L'énergie est sortie de la Terre pendant les premiers millions d'années, les premières centaines de millions d'années de l'existence de la Terre. Et d'ailleurs, les volcans ont envoyé autour d'eux une atmosphère. Ils ont créé l'atmosphère de la Terre, une atmosphère irrespirable, remplie de soufre, d'ammoniac, de gaz carbonique, et également de vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, ensuite, s'est précipitée sur la Terre ferme, et dans les creux, s'est accumulée progressivement en mare, puis en lac, puis est devenue l'océan. Et c'est dans cet océan que la vie, très peu de temps après cette formation de l'atmosphère et de l'hydrosphère, eh bien, a pu dérouler son long cours. Pour engager ce que l'on pourrait appeler le grand chantier de la Terre, le parcours insensé, hasardeux, mais également conditionné, car la matière a définitivement une tendance à la vie, et c'est ce qui nous a mené jusqu'aux formes de vie les plus élaborées, alors que le Karimski nous fait un festival. Regardez cette magnifique colonne de fumée, de gaz, de vapeur d'eau qui montre à plusieurs centaines de mètres au-dessus des 2300 mètres du volcan de Karimski. Extraordinaire d'assister comme ça aux caprices de notre planète Terre. Décidément, s'il y a bien une région au monde qui supporte bien le qualificatif de monde perdu, c'est bien ce fameux Kamtchatka. Voilà, on va maintenant s'éloigner du volcan Karimski vers la caldeira d'Ouzon, autre spectacle gigantesque. Mais avant la caldeira d'Ouzon, un second cratère remarquable jalonne l'itinéraire de l'hélicoptère. Il y a 4 milliards d'années, les océans étaient à l'image de ce lac acide, quasiment dépourvu d'oxygène, tout comme l'atmosphère. C'est pourtant de cette soupe primitive que vont surgir les premières cellules vivantes. Des bactéries qui vont se multiplier et proliférer dans des proportions phénoménales. L'algue bleue fait partie de ces premières bactéries. Elle invente la molécule de chlorophylle capable de transformer le gaz carbonique en oxygène. Pendant 3 milliards d'années, la chimie des océans et de l'atmosphère se transforme lentement. Cette évolution offre un jour la possibilité aux cellules de respirer. Le règne animal apparaît. Il rejette le gaz carbonique nécessaire au règne végétal qui commençait à s'asphyxier. À l'autre bout de la planète, les terres australes françaises sont une illustration parfaite du règne animal. Le Marion Dufresne est toujours en escale à Crozet. Les scientifiques et l'artiste peintre ont pris le chemin des Manchotières. Ce dernier s'est fait accepter par cette colonie d'oiseaux étranges et maladroits. Passager qui peut paraître clandestin, cet homme accomplit sa mission. Chaque manchot chante pour essayer de trouver un partenaire et gare aux concurrents. Une fois le couple formé, celui-ci cherche un endroit pour s'accoupler au milieu des milliers d'autres manchots déjà en train de couver. La tâche est rude et il faut distribuer des claques pour se frayer un chemin.
L'accouplement n'a rien de très intime. Et il faut veiller en permanence aux coups de bec des jaloux. Quatre jours après l'accouplement, la femelle pond un seul œuf qu'elle tient en équilibre sur ses pattes. Garder sa place devient alors encore plus difficile. Mâles et femelles vont se relayer tous les 6 ou 7 jours pour couver. Ne se reconnaissant pas à la vue, il ne reste que le champ pour identifier son partenaire et être bien sûr de passer son œuf au bon compagnon. Mais un prédateur peut ruiner toute cette entreprise, le squat. En revanche, si l'œuf a été bien protégé, naîtra un poussin qui sera presque aussi grand que les adultes en l'espace de 10 mois. Commence alors pour les parents d'incessants voyages en mer afin de pêcher et ramener du poisson à leur progéniture. Maladroit à terre, le manchot peut nager à 30 km/h sous l'eau. Seul obstacle aux retrouvailles avec son poussin, l'orque. Ces oiseaux ne seront pas les seuls à faire les frais du grand prédateur. Mais loin d'être inconscients du danger, les victimes potentielles attendent sagement le départ des orques. L'estomac bien rempli, le manchot regagne sa zone géographique de départ, où doit en principe se trouver son poussin. Si entre partenaires il faut chanter pour se reconnaître, il en est de même entre le poussin et ses parents. Certain de ne pas s'être fourvoyé, l'adulte régurgite à plusieurs reprises de la bouillie de poisson pour alimenter son rejeton. Le problème des scientifiques est simple. Comment un individu peut-il reconnaître le chant de son partenaire au cœur d'une foule si bruyante? 74 décibels en moyenne, le bruit du boulevard périphérique à Paris aux heures de pointe. Comment fonctionne cette reconnaissance vocale? Le professeur Jacques Loga et Thierry Langagne vont enregistrer les chants des parents. L'exercice demande de la pratique. Il faut avancer le micro sans provoquer l'interruption du chant de l'animal. Une fois le chant du parent enregistré, on bague son poussin. C'est désormais de lui dont dépend le résultat de l'expérimentation. On retrouve le chant d'un des parents du poussin 182 qu'on a eu tout à l'heure dans la rivière. Donc le chant est ici. Le voilà. Et on va l'écouter. Et on s'est aperçu au cours des expériences que les oiseaux commençaient déjà à répondre alors qu'on n'avait pas diffusé entièrement le signal. Et donc on a cherché à savoir quelle était la plus petite unité sonore qui permettait aux poussins de reconnaître leurs parents. Et cette plus petite unité, on l'a trouvée, elle est là. C'est la syllabe, c'est-à-dire c'est les 5 dixièmes de seconde, les 5 premiers dixièmes de seconde du signal. Avec simplement ce morceau-là, ils arrivent à voir toute l'information individuelle et donc à reconnaître leurs parents.
Voilà. Et là-dedans, il y a toute la signature acoustique du parent. Individuelle. Simplement, elle est répétée sur le chant en entier, puisqu'il faut voir que dans la colonie, il y a un bruit de fond énorme. Et donc, les oiseaux vont répéter l'information individuelle un certain nombre de fois pour être sûr qu'il y en ait au moins une qui passe correctement dans le milieu. Le chant devient ainsi le véritable code-barre du manchot. Premier test sur le poussin 182. Reconnaît-il le chant complet de son parent? Top. Ça, c'est quand même une belle réaction. Là, il cherche. Mais il ne voit pas l'adulte. Manifestement, chaque poussin réagit au chant de son géniteur. Second test sur la première syllabe du chant. Et ça marche encore. Pour mener l'expérience à son terme, les scientifiques effacent le son naturel et le remplacent par une modulation de synthèse de leur fabrication. Dans ce son recréé, on isole uniquement l'amorce du chant. Cette amorce, signature sonore unique de chaque individu, s'avère suffisante pour faire réagir le poussin. La première syllabe, il a... Impeccable. Ça marche. Il répond. Il a confondu notre chant avec celui de ses parents. C'est donc bien que l'hypothèse qu'on avait sur la signature est vérifiée par l'animal. On n'est pas complètement manchot, Thierry. Ils ont percé leur petit secret. Leur petit secret. Si nous sommes capables de recréer artificiellement les syllabes d'un langage animal, à terme, une forme de communication pourra peut-être s'établir entre l'homme et les animaux. Mais à ce jour, les manchots gardent encore la magie et la poésie de leur vocabulaire. Le MI-8 se pose à Ouzon, un site exceptionnel où l'activité géothermique ne faiblit jamais et où même la pierre semble féconde. Nicolas et Yves se retrouvent au cœur du système volcanique, à quelques centaines de mètres de cette maison de bois, ayant servi de refuge aux scientifiques venus étudier l'incroyable géobiologie du milieu. Caldeira d'Ouzon. Extraordinaire. Ça, c'est une des merveilles du Kamtchatka. On voit bien les lèvres qui bordent la caldeira, qui fait la forme d'une ellipse qui doit faire à peu près 13 km dans sa plus grande longueur et 7 ou 8 dans sa largeur. Et ce sont les vestiges de ce qui fut un immense volcan à l'origine. Exactement, on est dans une caldeira, c'est-à-dire un chaudron avec ses dernières fumées, mais il faut imaginer, il y a 40 000 ans, c'était tout autre chose. C'était au-dessus de notre tête une énorme montagne, un cône volcanique qui montait à 4 000, 5 000 mètres, on ne sait pas exactement combien. Il s'est produit un cataclysme formidable. Tout le sommet de la montagne a explosé et est parti dans la stratosphère sous forme de cendres. Et en même temps, comme dans la terre, la chambre de magma s'était vidée, eh bien tout s'est effondré. Le résultat, c'est ce système extraordinaire où l'activité volcanique est résiduelle, mais magnifique. Cet endroit est absolument unique, magique. On trouve ici le modèle en réduction de la terre des origines. Une sorte de chaudron
où le minéral et l'énergie issus des entrailles de la planète créent les molécules indispensables à la vie. Super lourd. Celui-là, ça c'est la patte avant. C'est l'empreinte d'une empreinte. La patte avant, la patte arrière. Incroyable. Voilà, la différence de taille. Il a... C'est fou la taille des pattes. Hein. Parce que c'est jamais que le plus gros carnivore qu'il y a sur Terre, enfin carnivore terrestre. Terrestre, oui. Dans les mers, on a l'orque qui est un petit peu plus gros, mais là c'est vraiment quelque chose d'énorme. Marche plantigrade. Qu'est-ce qu'on fait, on le suit? Ces empreintes montrent que les ours affectionnent la caldeira d'Ouzon. Les plantigrades viennent là pour se réchauffer, mais aussi pour profiter des vapeurs minéralisées bienfaisantes dispensées par la terre en effervescence. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant, parce que voilà des petites choses qui ont l'air de rien, mais qui ressemblent fort à ce qu'était la vie au tout début. Ce sont des bactéries en colonie, parce que les bactéries, c'est des microbes, normalement, on ne les voit pas, donc ici, il y en a beaucoup ensemble, on arrive à les voir. Mais c'est vraiment des bactéries qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles qui ont commencé la vie il y a 4 milliards d'années. Tu veux dire que c'est la vie à son stade le plus sommaire, quoi. Le plus sommaire, la cellule la plus simple qui puisse exister, elle est là, dans ces bactéries-là. Alors, ce sont des bactéries bizarres pour nous, parce qu'elles ressemblent à ces archéobactéries qui vivaient il y a 4 milliards d'années. Elles vivent de la chimie du soufre. Ce sont des bactéries chimiques. Thermophiles aussi. Alors thermophiles, ça veut dire qui aiment la chaleur. Et on peut en avoir une preuve très rapide. Je te confirme parce qu'elles vivent dans une eau à 80 degrés. 80 degrés. Et ces formes d'existence qui n'ont l'air de rien sont en fait nos plus lointains ancêtres. C'est un peu émouvant de voir ça. C'est quand la même. Première représentation d'une certaine organisation. Parce que si on comprend bien le schéma, c'est que la matière de base qui permet de former des molécules, c'est-à-dire les atomes, sont arrivés de l'espace quand ils ont formé la Terre, et que la Terre, petit à petit, par les volcans ou par ce type de manifestation, a restitué les éléments pour donner naissance à la vie et à toute la chaîne évolutive qui a permis d'aboutir aux hommes et aux ours. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est qu'il fallait effectivement ces matières de base, comme les atomes, mais d'autres éléments, comme le soleil, mais aussi l'atmosphère qui a été formée par la fumée des volcans, sans laquelle, sans ce bouclier, aucune vie épanouie n'aurait été possible sur Terre. Il fallait une chance supplémentaire à inventer des molécules extrêmement compliquées qui avaient deux propriétés, savoir se reproduire et capturer l'énergie extérieure pour pouvoir grandir et se reproduire. Et cette molécule essentielle, c'est la molécule de l'ADN. Et la première fois qu'elle est apparue, elle est apparue dans des cellules minuscules microscopiques qui là sont groupées. C'est très émouvant parce que nous descendons de ce genre de petites choses. 4 milliards d'années ont donc été nécessaires à la vie pour passer de la première bactérie à l'homme. Tous deux ont le même code génétique. Mais l'ADN, molécule qui compose tout être vivant, la seule capable de se reproduire, permet l'évolution. On peut dès lors se demander à quoi nous ressemblerons après-demain. Nicolas Hulot et Yves Pacalé ont atteint l'autre extrémité de la caldeira d'Ouzon et rejoint le reste de l'équipe. Le survol de ce creuset de vie peut commencer. L'hémicycle parfait de la caldeira d'Ouzon avec Yves Pacalet vole au-dessus de ces merveilleuses fumerolles pour
pour contempler du ciel ce que le noyau ou le cœur de la Terre veut bien nous délivrer. Nous avons vu les fureurs de la Terre, aux origines de la Terre, avec les volcans, le Kukulskoï, le Semiatchik et son lac acide, le Karimski qui nous a explosé devant la figure avec une beauté. Et ça, c'était les tout débuts. Et puis ces bactéries qu'on a vues également là-dessous, dans ces mares apparaître, les plus anciennes formes de vie. Tout ça s'est développé. Ces bactéries ont quand même, à un moment donné, eu cette intelligence, si on peut dire. En tout cas, cette ruse de la vie incroyable d'inventer la sexualité, d'inventer les cellules modernes, les cellules à noyaux, qui ont permis l'apparition des végétaux, des champignons et des animaux. En tout cas, ce qui est très émouvant, c'est de se dire que de ces petites fumerolles, de ces bouches qui sont des contacts directs avec le cœur de la Terre, c'est sans doute par là que la vie est passée et s'est immiscée avant effectivement cette prodigieuse aventure que l'on appelle l'évolution. Nicolas laisse descendre le ballon au ras du sol pour flirter avec les fumerolles. Mais l'aérologie perturbée réserve des surprises. Je vais pas toucher, c'est pas grave, t'inquiète pas, tiens-toi bien. T'inquiète, c'est normal. C'est pas grave. Tiens-toi bien, c'est bon, t'inquiète. Bon. Situé à seulement une trentaine de kilomètres de la caldeira d'Ouzon, le volcan Kronotsky dresse son cône majestueux au-dessus de la taïga et donne son nom à un immense lac et à l'unique réserve sauvage du Kamchatka. 1 million d'hectares de splendeur classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Ushuaïa Nature a obtenu le privilège de pouvoir dresser son camp au pied du volcan, là où existe déjà une sorte de base scientifique, plus ou moins abandonnée, depuis que le pouvoir russe a donné d'autres priorités à son économie. Would you like some tea, maybe? Coffee? Tea. Yes. So, because at first itself lake is very important for fishes, for example. Yevgeny Lobkov est un de ces irréductibles chercheurs, résolument optimistes et généreux. Il explique que ce lac a vu le jour il y a 10 000 ans, à la suite d'une monstrueuse coulée de lave crachée par le Kronotsky. Les milliers de saumons remontant la rivière pour y frayer, comme leur instinct les y pousse, se sont retrouvés bloqués en amont du barrage de lave brûlante. Un nouveau lac venait de se créer. Et l'évolution commença son fabuleux travail pour que survive l'espèce prise au piège. En quelques milliers d'années, les grands saumons sont devenus génétiquement programmés pour garder une petite taille et permettre ainsi de conserver l'équilibre des réserves alimentaires du lac, bien moins riche que l'océan. Un exemple révélateur de l'histoire de l'évolution des espèces qui s'opère d'ordinaire sur des millions d'années.
Boris Chichelot est un ethnologue spécialiste des peuples du Grand Nord. Il sera le guide d'une équipe d'Ushuaïa Nature partie à la rencontre des nomades de la toundra, les Koryaks et les Tchouch. Vous êtes à quelle distance ici, Boris? De Hatchaï-Vaillant? Ouais. À peu près 1300 km. Ah oui, donc là vous faites tout le Kamtchatka du sud au nord. Là. Voilà, voilà. Vu la proximité de tous ces groupes ethniques avec le détroit de Bering, qu'on pouvait franchir à pied à la dernière glaciation, on peut penser que les Indiens d'Amérique du Nord qui ont essaimé, qui sont passés par le détroit de Bering, ont une souche commune avec ces populations indigènes du Kamtchatka ou... Oui, d'ailleurs on pense que les ancêtres des Amérindiens, ils ont passé par Sakhaline et Kamtchatka, en longeant. Tu veux dire que les ancêtres des Américains sont russes? Si on raconte une histoire. Oui, oui, il vaut mieux pas. Bon, allez, bon voyage. Bon voyage. Merci. On vole. Heures de vol seront nécessaires pour atteindre le territoire des Koryaks. Un voyage de 1300 km du sud au nord de la péninsule sans jamais survoler la plus petite bourgade ni la moindre route. Sous l'appareil, la nature sauvage déroule ses multiples visages. Pendant ce temps, Nicolas et Yves essaient de rejoindre Evgeny, leur guide russe, parti la veille en aval et sur l'autre rive de la rivière Kronotsky à la recherche des grands ours bruns. Incroyable, hein ? Les eaux fougueuses de la rivière Kronotsky, barrière devenue infranchissable pour les saumons et qui est le garde-manger préféré des ours qu'on va peut-être, je l'espère, enfin rencontrer. On va s'arrêter quand même pour un dernier regard sur l'échelon du Kronotsky. Allez. Depuis sa création, le lac Kronotsky a fini par déborder et retracer un chemin jusqu'à l'océan. Cette rivière est son unique déversoir, et les grands saumons, qui à l'origine la remontaient par milliers, osent à peine aujourd'hui s'aventurer dans ces eaux devenues trop violentes. En se dirigeant vers son embouchure, Nicolas et Yves se rapprochent des saumons, donc des ours. Ok. C'est parti. Yves Pacalet se prête, non sans quelques appréhensions, aux acrobaties qu'impose le parcours naturel. Plus habitué aux sentiers sauvages de France, où il puise son inspiration littéraire nourrie de science et d'émerveillement, le Kamtchatka pourrait bien être le prochain décor de sa plume romanesque. Allez, hop. On est à mettre dans les plus durs. Belle aventure. Dans cette nature sublime, il n'est pas surprenant de croiser la route de rennes sauvages. En revanche, il est rare de surprendre un mâle possédant des bois de cette ampleur. Assurément un dominant de son espèce qui partira prochainement se battre à la conquête d'un harem.
Dans l'immense taïga du Grand Nord, vivent aussi des rennes élevées principalement pour leur viande et leur peau. Après 3 jours de voyage en hélicoptère et 2 jours de chenillettes bricolées, Boris Chichelot et l'équipe d'Ushuaïa Nature ont atteint le 62e parallèle nord. Dans ces territoires polaires abandonnés du monde, les peuplades sont souvent nomades. Elles ont axé leur survie autour de l'élevage du renne, un mammifère qui exige une grande mobilité en raison d'une végétation malmenée par le climat sibérien. Première rencontre des cavaliers koryaks. Вот маршрут начинает. Вы сейчас идете куда? Всего вот примерно сколько километров или дней вы как идете? Вы как считаете? Alors, pour combien de kilomètres là, sur le... Plus d'une centaine de kilomètres. Plus d'une centaine de kilomètres. Bien sûr. Et ils trouvent les pâturages d'été ici. Et après, et потом вы начинаете двигаться назад. В июле сюда приходите примерно. Да, да, да. Au mois de juillet, donc un mois entier, ils progressent vers le fjord. D'accord. Et c'est une vie qu'ils n'ont pas du tout envie de changer. Ils sont bien traditionnels. Et vous me direz que cette vie, que tu vois. Bien sûr, bien sûr. La vie nomade leur plaît beaucoup. Ils ne veulent pas être sédentaires. Ces cavaliers koryaks qui ont accueilli l'équipe pour la nuit constituent une brigade d'éleveurs. Ils viennent de passer plus de 3 mois avec le troupeau de rennes du Sovkhoz d'Achabayam et rentrent au village. Leurs informations seront précieuses pour rejoindre les rennes. Boris découvre enfin le troupeau dont les cavaliers lui avaient révélé le pâturage. Une rencontre à un moment fort de la vie de ces hommes. Les koryaks sont passés maîtres dans l'art de manier le lasso. La technique ancestrale est très efficace, car en faisant courir le troupeau, les éleveurs repèrent les bêtes à capturer, généralement les plus faibles. Ils procèdent ainsi à une sorte de sélection. 3 bêtes seront tuées au couteau pour nourrir la nouvelle brigade. Cet avantage en nature que les koryaks s'octroient est leur seul moyen de se nourrir et de s'habiller pour l'hiver. Car ces hommes ne possèdent rien, hormis quelques poignées de thé et leurs armes pour se défendre contre les ours et les loups. L'élevage de rennes dans l'extrême nord de la Sibérie ne correspond plus à aucune réalité économique. Depuis la chute de l'Empire soviétique, la viande est devenue inexportable en raison du coût du transport qui ne peut s'effectuer qu'en hélicoptère. Mais plus grave qu'une économie sinistrée, plus une femme et plus un enfant ne vivent avec ses pères de famille. Boris suit l'évolution des koryaks depuis longtemps et il s'inquiète de plus en plus de leurs conditions de survie. À cause du nivellement entre les peuples de l'ex-Union soviétique, les nomades de Sibérie ont fait l'objet d'une vaste campagne d'intégration. Les séquelles de cette normalisation sont aujourd'hui considérables. Comme pour beaucoup de nomades, la sédentarisation s'est imposée. Et pour comprendre les koryaks, il faut rencontrer les femmes qui se sont fixées au village russifié d'Achevayam, situé à 6 heures de chenillette. On dit que là-bas, la plus vieille d'entre elles, imprégnée des traditions chamaniques, raconte l'histoire de son peuple, descendant de la grande civilisation du Rennes. Pour un éleveur de rennes, la femme est la gardienne du feu allumé en permanence sous la tente.
Elle représente la cohésion sociale. Elle règne dans l'espace des traditions et assure leur pérennité en la transmettant aux enfants. Sans elle, que deviendraient les hommes devant un foyer éteint? Où trouveraient-ils le réconfort après des jours et des nuits passés à suivre les rennes en pleine toundra? Boris est invité à entrer dans la yourte d'une vieille femme. Ici, malgré une misère apparente, règne une chaleur précieuse pour ces gens qui doivent traverser l'interminable hiver polaire par des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés. On lui propose d'essayer le costume traditionnel. Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais dans ce costume en peau de renne, Boris sera certainement mieux accepté par l'esprit du feu domestique. Tandis qu'une des femmes entame une danse traditionnelle sous l'influence d'une amanite du mouche, la vieille femme explique combien la vie des Koryaks a été bouleversée depuis sa tendre enfance. Depuis la révolution du début du siècle, les chamans ont été déportés. Les enfants ont été éloignés de leurs parents, placés dans des internats, contraints d'apprendre le russe et de renier en bloc leurs coutumes. Les troupeaux de rennes ont été regroupés en sauve-cause et nationalisés. Les traditions ancestrales ont été dénigrées par les autorités et les subventions de Moscou les ont placées dans un état de dépendance totale. Aujourd'hui, plus rien ne leur parvient. Les Koryaks sont totalement isolés et abandonnés. La seule issue pour ce peuple est de retrouver ses racines, de réapprendre à vivre en famille dans la toundra avec leurs troupeaux. Grâce aux champignons hallucinogènes, cette femme communique avec les esprits de ses ancêtres. Son chant exprime l'espoir de voir préserver le ciel, le soleil, la lune, la terre et tout ce qui y vit, les plantes, les animaux et les hommes. Bien plus au sud, Nicolas Hulot et Yves Pacalet ont retrouvé Evgeny Lobkov, parti en éclaireur localiser le terrain de chasse favori des ours. Regarde, Nicolas. Ces baies sauvages, c'est très bon pour les ours. Et pour les hommes aussi, mais particulièrement pour les ours. En français, ça s'appelle le raisin d'ours. Et ça, Vaccinium, c'est l'érelle. L'érelle, qui est la même famille que la myrtille. Et les ours mangent trois sortes de baies qui complètent leur régime de saumon, leur donnent des vitamines. For local people of Kamchatka, it's very important. So, look, please, this is bear. Regarde là-bas, j'ai l'impression de voir des ours. Tu peux peut-être mieux les voir avec tes jumelles. Des rennes? Yes. Just there? Yeah. Okay. Ah oui. Where is the wind? Le vent vient de l'ouest. Yes. We can go to On peut passer de ce côté et ensuite seulement remonter jusqu'aux ours. C'est extraordinaire. Une mer. Regarde, les ours sont en train de se déplacer de la plaine vers la rivière. To go to the river. Okay. Good. Là-bas, ils trouveront assez de poissons pour se nourrir. Car c'est la bonne période. Yevgeny a repéré quelques spécimens de ces seigneurs du Kamchatka, tout habillés de brun. Il reste à s'en approcher. La très sauvage réserve de Kronotsky au Kamchatka héberge la plus grande population d'ours bruns de la planète. La même espèce que celle des Pyrénées,
mais d'une force supérieure à celle du fameux grizzly des Rocheuses américaines. Approcher le plus puissant des mammifères terrestres n'est jamais chose facile et requiert de s'entourer d'infinies précautions. Son odorat le plus développé du règne animal avec celui du requin tient du prodige. Une légende dit, lorsqu'une aiguille de sapin tombe dans la taïga, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la renifle. Avec les grands primates, l'ours passe pour être l'une des créatures les plus proches du genre humain. Il y a 30 000 ans, l'homme de Cro-Magnon disputait ses abris de chasse à l'ours des cavernes, son concurrent direct, qu'il élimina de la planète. La mer est en train de pêcher. Et ses petits l'attendent sur la berge. C'est un comportement assez habituel. Regarde, le petit, il hésite à se mettre à l'eau. Il a pêché un saumon en 2-3 mouvements. J'en essaye de faire la même chose. Omnivore, comme l'homme d'aujourd'hui, toujours son unique prédateur, ce plantigrade à l'allure pataude est capable de se servir de ses griffes acérées pour cueillir délicatement les baies, crocheter un saumon ou éventrer l'observateur trop imprudent. On a recensé environ 6000 ours bruns sur la péninsule. Mais seule la réserve naturelle de Kronotsky, équivalente à 2 départements français, leur offre nourriture abondante et tranquillité. Oh. Cette région est recouverte par la neige 8 mois durant. Au sortir d'une hibernation de plus de 6 mois, les ours, qui ont perdu plus d'un quart de leur poids, se concentrent près des rivières regorgeant de saumons. Cette profusion de poissons régule en grande partie l'ensemble de l'écosystème du Kamtchatka. Sur la berge. Oh, the dark, regarde, the dark place. Dans la partie sombre, after après place. L'arbre vert. You can see now. Okay. Après la reproduction, les saumons meurent tous, c'est leur destin. Leurs tissus vieillissent en quelques jours, leur défense immunitaire s'effondre, ils sont attaqués par toutes sortes de champignons et de maladies. Et c'est une vraie énigme que cette mort rapide. Des scientifiques sont en train d'ailleurs d'étudier pour essayer d'en tirer au contraire des molécules qui pourraient ralentir notre vieillissement à nous. Et peut-être qu'une partie de notre destin est contenue dans le destin tragique de ce saumon qui a donné la vie et qui est mort ensuite. This is a female. C'est vrai. Yes. Yeah. Ce qui est fou, c'est de se dire que les saumons viennent mourir dans cette rivière. Après avoir accompli des migrations, quelquefois sur plusieurs milliers de kilomètres. Même la façon dont ils retrouvent leur ruisseau de naissance, ça c'est une énigme qui est en partie résolue, mais en partie seulement. On sait que l'odorat joue un rôle très important parce qu'il y a eu un test de fait sur des saumons auxquels on a bouché les narines. Et ceux à qui on a bouché les narines se sont trompés pour retrouver leur rivière d'origine. Donc on sait que l'odorat participe. Mais ça n'explique pas leur capacité à faire des migrations aussi longues et à se repérer pour retrouver notamment l'estuaire. Alors on pense aussi que pour retrouver l'estuaire, ils ont ce sens des poissons extraordinaires qu'on appelle la ligne latérale. Ils sentent les vibrations de l'eau, donc les courants, et ils s'orientent en fonction des courants. Ils s'orientent probablement aussi en fonction du champ magnétique qu'ils détectent grâce à des organes spécialisés. Et tout ça effectivement fait qu'ils retrouvent cette embouchure du fleuve par lequel ils sont passés 4 ans auparavant. Et ensuite, effectivement, à partir de l'embouchure, il semble que l'odorat prenne le dessus. Il détecte la concentration en oxygène, en gaz carbonique, toutes sortes de molécules odorantes. Ils ont une mémoire chimique. Une mémoire chimique extraordinaire et ils arrivent
dans le petit ruisseau au sommet des dernières branches de rivière où ils sont nés pour à leur tour donner la vie. Un ours là-bas. Un ours en haut là-haut. Oh là là. La densité de la population des ours près de cette rivière est telle qu'il n'est pas rare que les femelles et leurs petits se retrouvent nez à nez avec de grands mâles. Alors, on se renifle de loin pour évaluer le danger et la femelle s'écarte pour protéger ses oursons d'un mâle parfois trop jaloux. Des endroits comme la réserve de Kronoski ou comme les Kerguelen et l'île Crozet restent maintenant des vestiges de nature intacte. Et on observe ça avec beaucoup d'émotion parce que on a quand même le sentiment qu'on assiste un peu quand même aux derniers instants de la nature vierge. Comme le Kamchatka, les terres australes et antarctiques françaises ont pu conserver la virginité de leur nature grâce à leur situation géographique. Pourtant, certains hommes, au XIXe siècle, avaient cru pouvoir faire leur Eldorado de ces quelques cailloux battus par les flots. Sur la route de sa mission au Kerguelen, le Marion Dufresne fait un détour par l'île aux Apôtres, lieu de naufrage tristement célèbre à la fin du siècle dernier. 44 rescapés ont attendu ici 11 mois, accrochés à la vie sur ce bout de rocher qu'ils partageaient avec des albatros. Quatre jours de mer après Crozet et les Apôtres, c'est enfin l'archipel des Kerguelen. En 1772, l'officier de la marine royale, Yves de Kerguelen, approche ce territoire grand comme la Corse. Pressé de faire état de sa découverte, il ne prend pas le temps de descendre sur l'île ni d'en explorer l'intérieur. C'est une terre merveilleuse aux mille richesses, raconte-t-il au roi, qui affrète aussitôt une nouvelle mission d'exploration. Cette expédition sera un échec. Pour avoir travesti la réalité et abusé la confiance royale, Kerguelen sera emprisonné pendant 3 ans à la Bastille. 4 ans plus tard, le navigateur anglais Cook, plus réaliste, baptisera ces terres, à juste titre, île de la désolation. Une équipe d'archéologues menée par Jean-François Lemuel, chercheur au CNRS, sillonne les vallées à la recherche des traces du passé. Ils sont là pour reconstituer l'épopée de ces terres australes. Mais il faut faire vite, sous peine de voir s'effacer définitivement ces pages de notre histoire. Les baleiniers arrivent ici pratiquement dès 1796-1798. L'une des plus belles histoires de naufragés, si tant est que une histoire de naufragés puisse être belle, parce que c'est quand même une somme de souffrance, c'est celle de Noon et de ses 4 compagnons qui vont errer pendant des mois et des mois, partant de l'île de l'Ouest où ils ont fait naufrage pour la seconde fois. Noon est un baleinier. En 1825, lui et ses compagnons font naufrage 3 fois dans la même journée et utilisent pour finir une vieille chaloupe abandonnée pour se tirer d'affaire. Commence alors un long exil. Alors, nous avons une chance extraordinaire, c'est que Noon a un talent de conteur, c'est que Noon a eu l'idée de ne pas se fier à sa seule mémoire, mais que, ayant sauvé du naufrage une Bible, du tabac bien sûr, toujours du tabac, mais ayant sauvé sa Bible, va pouvoir, sur les marges de sa Bible, avec du fiel d'albatros, aujourd'hui on dirait de la bile d'albatros, écrire à une encre jaune, sur les marges de cette Bible, toute son histoire. Noon est déjà à sa 3e campagne de chasse aux éléphants de mer. Ils vont contourner tout le sud, le sud-ouest et le sud
de Kerguelen pour rejoindre un lieu que Noon connaît, qu'il appelle Long Point, et qui se trouve ici, nous l'appelons aujourd'hui Pointe Charlotte. C'est là qu'ils savent pouvoir trouver les manchots en abondance, mais aussi des albatros, mais aussi les éléphants de mer, qui vont assurer leur survie pendant 14 mois. Là où nous voyons les restes de la Villa de l'Espoir. C'est au large de cette plage battue par les vents que le baleinier Noon apercevra ses sauveteurs. C'est en regardant par là, d'un seul coup, l'un d'eux se lève comme ça et aperçoit le Sprightly qui arrive au loin. Et imaginez la scène, les cinq compagnons se précipitant sur la grève, allumant des feux avec ce qu'on peut trouver pour signaler leur attention. Il y a une cruelle déception. Le capitaine qui vient les chercher est obligé de leur annoncer que lui est juste en début de sa campagne de chasse. Donc l'aventure de Noon et de ses compagnons ne prend pas fin là. Ça va encore durer 2 ans. Ils feront repartir dans le nord de Kerguelen, du côté des îles nuageuses. Des histoires comme celle de Noon, il en existe des dizaines au Kerguelen, avec pour certaines une issue bien plus tragique. C'est par solidarité entre marins que les navigateurs du 19e siècle abandonnaient des animaux domestiques sur les îles. En se reproduisant, ils fourniraient la nourriture à d'éventuels naufragés. Un geste qui se révélera dévastateur pour la faune et la flore locale. L'un des défis des colons était de s'installer à l'abri du vent qui peut souffler par rafale à plus de 200 km/h. Aujourd'hui oubliée, la vieille station baleinière de Port-Jeanne d'Arc a du mal à rester debout. Pour exploiter à outrance les grands mammifères marins, quelques dizaines d'hommes français et norvégiens ont habité ici de 1908 à 1926, loin de la civilisation. Ateliers, chauffage central, réseau ferroviaire, boulangerie, ils avaient recréé une ville en miniature et l'usine baleinière tournait à plein régime. Des produits quasi manufacturés vont être réexportés, alors à savoir l'huile de ces baleines, qui sert à l'éclairage des grandes villes américaines, les os qui sont transformés en poudre, qui vont servir à amender les sols trop acides de la métropole, et puis enfin les fanons, les célèbres baleines des corsets de nos grands-mères ou les baleines des parapluies. Kerguelen disparaît à l'horizon, le Marion Dufresne met cap au nord. 4 jours de mer pour s'éloigner des caprices des 40e rugissants et se rapprocher de l'île d'Amsterdam. Particularité unique de cette petite île australe, la plus éloignée au monde de toute source importante de pollution, elle est le lieu de référence pour l'air étalon de la planète. L'étude de cet air, supposé le plus pur, permet d'analyser l'échange de CO2 entre l'atmosphère et les océans et de mesurer au niveau planétaire l'action de l'homme sur l'environnement. Dernière étape pour le Marion Dufresne, l'île de Saint-Paul, un cratère immergé, véritable perle des terres australes. Jean-François Lemuel tente de recoller les morceaux de son histoire, celle par exemple de ces 7 Bretons oubliés ici pendant 9 mois par une entreprise de pêche.
Kerguelen, Crozet, Amsterdam, Saint-Paul, les terres australes sont d'une richesse incroyable. Sanctuaire pour les animaux, c'est aussi un lieu stratégique pour l'observation des étoiles et des satellites et une station météo unique entre l'océan Indien et l'Antarctique. À la grande époque des baleiniers, plus de 700 bateaux sont venus chasser dans ce territoire, massacrant baleines, éléphants de mer et manchots. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Les plus heureux des scientifiques sont les ornithologues. Ils peuvent approcher au plus près tous les oiseaux sauvages. Un jeune albatros géant fortifie ses ailes. Un sourcil noir couvre son petit et un fuligineux retourne au nid. Les oiseaux des terres australes sont placés sous haute surveillance. Les gorfous sauteurs et les gorfous macaroni occupent les rochers. Les plages sont gardées par les éléphants de mer et les manchots. L'artiste peut ici dévoiler sa mission. Certaines de ses peintures serviront à graver des timbres qui tous racontent une tranche de l'histoire de ces îles lointaines. Les tampons personnalisés sont aussi devenus indispensables. Chaque mission scientifique, technique ou télévisuelle se doit d'avoir le sien. Le Marion Dufresne achève sa mission. Ces îles, minuscules au regard du grand océan, seront à nouveau coupées du reste du monde pour de longs mois. Nicolas Hulot, Yves Pacalet et Evgeny Lobkov poursuivent leur expédition vers la vallée des geysers. Ils observent attentivement les flancs du volcan qu'ils survolent et plus encore le mauvais temps qui arrive. La météo exécrable oblige le pilote à se poser au cœur du volcan Semiatchik. Evgeny connaît parfaitement le chemin menant à la vallée des geysers, mais il faudra le faire à pied. L'appareil profitera de la première accalmie pour redécoller. J'ai vraiment l'impression d'être ici sur la terre du début de l'ère primaire, quand les plantes et les animaux n'avaient pas encore conquis les continents. S'il y a 1 milliard d'années environ, la vie avait inventé la cellule supérieure. Les premières plantes se sont formées dans la mer, les premiers animaux aussi, et ont évolué dans la mer. Et c'est il y a environ 360 millions d'années que les premiers poissons cousins des sélacanthes, avec des nageoires transformées en pattes, vont ramper sur la terre ferme, devenir des amphibiens ou batraciens, qui eux vont donner des reptiles. Les grands reptiles du secondaire sont fameux et les reptiles engendreront les oiseaux et les mammifères. Cette longue progression de la vie a dû, à un moment donné, escalader la terre ferme dans un environnement qui ressemblait à celui-là. Pas d'arbres, pas d'herbes. Graduellement, la colonisation des plantes, elle a commencé par quoi ? Sous quelle forme ? Les algues en premier ? Voilà, les algues vertes
sont elles qui principalement ont envahi la terre, petit à petit d'abord en poussant au bord des océans, au bord des mares, et puis en grandissant, elles ont donné les mousses, puis les fougères. Ok, let's try here. Les fougères ont donné les conifères, et puis les dernières plantes les plus perfectionnées, les plantes à fleurs, sont apparues à la dernière époque des dinosaures, à la fin de l'ère secondaire, au Crétacé. Les premières fleurs, vraies fleurs, ce sont les magnolias. Avant, ce n'était pas la peine, puisque les hommes n'étaient pas encore en perspective. La seule justification des hommes, c'est de pouvoir offrir des fleurs aux autres. À cette petite différence près, que les fleurs ont surtout été conçues pour plaire aux insectes et pas aux hommes. Je sais bien. Mais merci d'avoir rectifié. Un itinéraire totalement insensé avec un dédale de vallées et de rivières jalonnées de centaines de petites fumerolles qui donnent cet aspect fantomatique pour déboucher dans un des joyaux du Kamchatka, la vallée des geysers. When do they discover and how? Quand et comment ont-ils découvert pour la première fois la vallée des geysers? Ah, c'est une très belle histoire, parce qu'à cette époque, on n'avait aucune information sur la rivière Shumnaya. Nous ne savions pas où se trouvait sa source. Et c'est pourquoi, le 31 mars 1941, une femme russe qui se nommait Tatiana Ustinova se lança dans une expédition pour explorer cette vallée avec des chiens de traîneau. Elle s'arrêta juste là, à côté, juste derrière, car elle découvrit le premier geyser qui faisait de grosses éruptions et elle le nomma Pirvinets. C'est un mot russe qui veut dire le premier enfant. Et c'est pour cela que le premier geyser de la vallée s'appelle Pirvinets. Elle a dû être surprise parce que je pense que les Russes n'avaient jamais vu de geyser sur leur territoire. C'est le seul endroit. Only one place in Russia where there is geyser. Huh? Yes, it. Yes, only in Russia. Only. Okay. Plus on avance, plus c'est beau. Tu te demandes où l'échelle de beauté va finir par s'arrêter. C'est insensé parce que tu en as le souffle coupé ici. Tu passes d'une vallée à une autre. Tu te dis, bon, j'ai dû voir ce qu'il y a de plus beau. Paf, tu franchis une crête et regarde. C'est un hymne à la beauté du monde, le Kamchatka. Fantastique, hein? C'est toujours le principe du geyser, c'est que de l'eau qui tombe alentour sous forme de neige de pluie s'infiltre dans le sol, va se réchauffer au contact du magma profond, du magma volcanique, remonte, arrive dans une sorte de chambre souterraine, et c'est là que se produit l'espèce de miracle du geyser. À partir d'un certain stade de pression et de température, d'un seul coup, la vaporisation se produit, l'eau est envoyée sous forme de vapeur. Et la chambre de mise en pression, elle peut être à quelle profondeur? Ça varie. Quand c'est un très gros geyser comme le Velikan ou comme celui-ci, elle peut être à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, mais elle est aussi très très grande. Ça s'explique sans doute par les lois de la physique, oui. Mais enfin, il y a quelque chose quand même de magique, quoi. Tu trouves ça froid? Parce que ça prend du temps avant de retomber. Mais au début, l'eau est bouillante. Elle fait 100 degrés. Non, ça va. C'est bon. Ce qui est étonnant, c'est
À la fois le mépris qu'on a, nous autres les hommes, pour ces phénomènes naturels, ça nous paraît quelque chose qui est tellement commun, habituel, qu'on n'y pense même plus, on n'ose même plus les regarder. Mais surtout, on devrait bien savoir, nous, que de tous ces phénomènes, eh bien, on est à la fois la conséquence par cette longue chaîne de la vie qui a commencé avec les bactéries, et on dépend également, on en dépend tous les jours. On croit qu'on est indépendant des phénomènes naturels, on n'est absolument pas. Et dans cette féerie aquatique mêlée de vapeur et de gaz, il y a l'illustration parfaite que définitivement la nature est belle, même si ces convulsions ont trop souvent des conséquences tragiques. S'il y a un souhait à avoir à ce stade-là, c'est que ces 4 milliards d'années, pour arriver à une forme de perfection, eh bien, jamais l'homme, brutalement, ne fasse en sorte de revenir à cette période-là et que nous allions dans notre nouvelle ère vers peut-être ce qu'il faudrait appeler l'âge de raison. Nous n'avons que 3 millions d'années, nous, c'est-à-dire que nous sommes les plus récents, parmi les plus récents. Nous sommes orgueilleux, nous croyons tout savoir, nous en savons bien peu, il suffit de s'interroger sur ce qu'il y a dans ces profondeurs d'un geyser pour découvrir l'étendue de notre ignorance. Et je crois que dans l'ensemble de cette biosphère dont nous sommes une partie, nous avons à nous émerveiller et nous avons aussi à pratiquer la vertu du respect. Les hommes se concentrent en bien des points de la planète. Ils usent parfois irrémédiablement ce qu'ils trouvent à sa surface. Heureusement, il existe des havres de paix comme le Kamchatka et les terres australes, où la nature s'épanouit sans entrave au seul rythme de l'évolution. Alors ici, nous avons quelque chose d'extraordinaire, une argile rouge. Alors, il est possible, parce que nous ne sommes sûrs de rien, que la vie soit descendue de l'espace par l'intermédiaire d'une comète. Il est possible qu'elle soit née dans le cœur de l'océan, soit dans l'écume de l'océan, soit dans les profondeurs même de l'océan, dans les sources hydrothermales, voire même dans le basalte des volcans. Mais l'hypothèse la plus probable c'est ça. Et cette argile rouge, ici, est probablement l'image même du ventre qui a accouché de la vie. J'ai l'impression de voir un ventre fécond en train d'inventer une nouvelle forme de matière. Cette matière, c'est la vie. Cette matière, c'est les bactéries, les plantes, les animaux et tout au bout, les hommes. En tout cas, si on cherchait à connaître les coulisses de la création, à défaut de trouver le cuisinier, on a trouvé une des cuisines. Et c'est probablement dans ce type de marmite que la vie, ou toute une partie de la vie, a commencé son long périple. Et c'est devant ce spectacle et tous ceux que nous avons en file indienne derrière nous que s'achève ce périple au Kamchatka qui a été providentiel en découverte. Nous aurons allègrement franchi 4 milliards d'années d'évolution pour revenir au stade le plus sommaire, à l'empreinte des premiers pas de la vie, là où elle était encore uniforme, et puis au fur et à mesure de son long parcours, elle est devenue de plus en plus sophistiquée pour céder à une profusion d'êtres et de formes, la variété. En tout cas, il y a une chose qu'on retiendra ici, c'est que le minéral a accouché du végétal et de l'animal, et cette association entre les trois règnes lointaines dans nos origines doit nous permettre de nous projeter dans l'avenir, car il ne faut jamais que l'homme n'imagine un seul instant que son sort est distinct de celui du reste de la planète. Nous sommes sur un même navire, dans une même maison. D'ailleurs, éco en grec, ça veut dire la maison. Écologie, c'est la science de la maison. Et c'est quelques petites clés de cette science qu'avec Evgeny et Spakalet, nous vous avons livrées ce soir dans ce bon voyage. Souhaitons qu'il y ait des gens comme Evgeny qui sachent tant prendre soin de leur nature et de leur environnement, car ces mondes perdus méritent toute notre attention. Merci Yves, et pardon. Merci, encore Nicolas. Pour les atterrissages un peu brutaux en montgolfière. J'étais parfait. Et Evgeny, спасибо большое. Спасибо и вам. Мне было очень приятно работать с вами. И добро пожаловать в следующий раз на Камчатку. Я обязательно покажу вам новые места. Je suis sûr qu'il nous a dit de revenir au Kamchatka. Je vais comprendre aussi. You can be sure we will come back. Okay. Good to meet you. Thanks.